Sugar, say
Laurie, welcome to Lifeside. Alors, question rituelle de l'oreille qui gratte, ça fait 23 ans qu'on la pose. Arnaud, Mr. White and Humbert, si tu pars sur une île déserte, sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film, lesquels? Alors, le disque, je dirais Exile on Main Street, des Rolling Stones. Ouais, t'en parlais tout à l'heure, c'est bien que... Exactement, pour moi, ça c'est mon disque préféré, je pense que tout le rock là-dedans. C'est bien que tu l'aies cité, parce que tout à l'heure tu disais que pour toi c'était ce qui s'était fait de mieux, donc je me suis dit tiens, ça sera sans île désert. C'est vraiment un truc qui... Mais il a été enregistré par chez nous d'ailleurs, celui-là. Il a été enregistré tout à fait du côté de Nice d'ailleurs. Ouais, Villefranche. À la Villefranche-Narsonne, Villefranche-Narsonne, tout à fait. Un double, et enregistré dans les sous-sols de la baraque. C'est ça. Et là c'était du vrai rock'n'roll, hein, quand on lit les... Et dedans il y a beaucoup de musique folk, d'ailleurs américaine, du coup Graham Parsons, que j'ai joué tout à l'heure, a participé à cet enregistrement-là. D'accord. Voilà. Et pour la petite info, Bill Wyman habite toujours par chez nous. Il habitait à Vence pendant des années, maintenant il habite à Saint-Paul-de-Vence. Ils sont restés sur la côte. Ça ne va plus, apparemment. Ah bah ouais. Ensuite, tu as le disque, mais tu as un livre et un film à porter sur cette île déserte. C'est pas fini. Alors, un livre, j'ai amené ça. Jean Genet, Le Mal du voleur. Voilà. Tu peux nous en lire trois phrases, là, tiens? Oui, bien on a sûr. Un peu de temps devant nous. Je vais vous la quatrième de couverture. Eh ben, vas-y. Jean Genet, Le Mal du voleur. Je nomme violence, une audace au repos, amoureuse des périls. On la distingue dans un regard, une démarche, un sourire, et c'est en vous qu'elle produit les remous. Elle vous démonte. Cette violence est un calme qui vous agite. On dit quelquefois, un gars qui a de la gueule. Les traits délicats de Pilorge étaient d'une violence extrême. Leur délicatesse surtout était violence. Mais c'est la première fois qu'on cite Jean Genet, l'oreille qui gratte. C'est une première, donc. Pourquoi Jean Genet? Parce que c'est très bien écrit en vrai français. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est complètement déchenaillé, quoi, Jean Genet. Hein. Jean Genet, complètement. C'est un zonard ultime, homosexuel, qui vend son cul dans les bordels en Espagne, à Barcelone. Traverse l'Europe à pied, qui vit de vol, d'arraché, qui fait de la prison partout, et qui malgré ça arrive à être un auteur reconnu français, un des meilleurs auteurs français, j'ai jamais lu, tu me donnes envie de lire, c'est un peu le but de cette question. C'est un peu le but de cette question. Ensuite, comme film. Alors comme film, j'ai choisi un film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. D'accord, voilà. Chef. Parce que le début de ce film est d'une violence extrême, justement, quand il y a le chef quoi. Je trouve que c'est du grand Stanley Kubrick et ça raconte un morceau de vie, c'est vraiment prenant, quoi. J'ai vu dans une période de ma vie où ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, ça c'est le film que je choisis, Les sujets partaient sur le désert. C'est du grand Stanley Kubrick, je crois que tout est grand chez lui. Que tu disais, il n'y a pas à rater chez ce réalisateur, vraiment. On mérite tous d'avoir le coffret à la maison, vraiment superbe île déserte, vraiment, sincèrement. Je vous invite à venir avec moi sur l'île déserte. Ah, même l'île déserte dans ce cas-là.